Bonsoir Sheila. Bonsoir Michel. Alors ce soir on va faire l'aller-retour entre cette loge et puis cette scène. D'abord, en 62-63, lorsque vous débutez, enfant j'allais dire, gamine quoi, ça veut dire quoi l'Olympia à cette époque pour vous? L'Olympia ça voulait dire... L'éventualité d'y chanter un jour? Oh, je crois pas que je pensais ça comme ça. Non. Moi, je voulais chanter, mais quand on veut chanter, c'est déjà le fait de se dire je vais faire un disque, je vais m'entendre, et puis après, on va voir ce qui va se passer. Moi, pour moi, le souvenir de l'Olympia, c'est j'étais gamine, et le premier concert que j'avais été voir, c'était les Chaussettes Noires, parce que je trouvais qu'Eddie Mitchell chantait merveilleusement bien. Donc, pour moi, l'Olympia, c'est ça. Et puis après, c'est vrai que je suis une des rares chanteuses qui ne l'avait pas fait et qui a chanté une chanson qui s'appelait l'Olympia. Mmh. Mais ce qui est amusant, c'est que j'ai passé ma vie à préparer des spectacles, à répéter avec des musiciens, avec des chorégraphes, etc. Et qu'en réalité, je ne suis jamais allée sur scène. On m'a privée de quelque chose d'extraordinaire et ce qui fait, disons, les racines et tout l'intérêt d'être un artiste. Bon, c'est comme ça, c'est mon destin. J'ai travaillé avec quelqu'un qui ne voulait pas faire de scène, je n'en ai pas fait. Mais aussi, moi, je suis quelqu'un de positif, donc je prends aussi le côté formidable de tout ça, c'est que je me dis qu'à l'âge que j'ai, je découvre les gens, je les retrouve. C'est plein d'amour et en plus, je ne suis pas usée, donc j'ai une envie. Oui. Bon, j'ai 50 ans passés et j'ai une envie d'une gamine parce que j'en ai tellement été privée que maintenant, je veux dire, pour moi, je peux aller chanter n'importe où, j'ai autant d'enthousiasme. Et ça, je trouve que c'est, quelque part, c'est un atout. Donc, il n'a plus été question de scène pendant des années et des années. Non. Les années passent. Oui. Et en passant devant le music hall, pas l'envie quand même d'y aller? Non, mais moi, ma conversation, ça a toujours été essayer de dire, bon, je veux faire de la scène, je veux faire de la scène. Et le problème, c'était qu'on avait d'abord un système de travail qui faisait que moi, j'enregistrais, je sortais un disque tous les deux mois. C'est-à-dire qu'il y avait un disque qui était encore dans les... Tous les deux mois, c'est vrai. Ah oui, dans les hit parades à l'époque, que déjà, j'étais en train d'enregistrer le prochain. Ouais. Donc moi, c'est vrai que j'ai eu un rythme d'enregistrement et de disque énorme. Puis qui dit disque, dit télé, quoi. Voilà, télé, promo, radio, enfin, moi, radio, etc. La presse des jeunes. Voilà, j'ai été en Italie, en Allemagne. Mais bon, on revenait jamais en France. Bien sûr. Et c'est vrai que j'avais beau essayer de me battre, c'était un peu me battre contre des moulins à vent. Et à chaque fois, on me disait, bon, bah, attends, là, c'est une bonne idée, on pourrait peut-être commencer à répéter. Donc moi, je répétais. Et pendant ce temps-là, les autres font de la scène. Ben oui, mais c'est pour ça que c'est très énervant. Et c'est pour ça que pendant des années, je suis passée pour la chanteuse en playback. Parce que c'est vrai qu'on ne m'entendait pas chanter. Alors bon, c'était peut-être un peu excessif et exagéré, parce qu'il y avait quand même des tas de télé qu'on faisait en direct. Mais j'avais la réputation de quelqu'un qui ne chante pas. Il a fallu des années pour que j'arrive à me séparer de cette image et qu'on dise, mais enfin, c'est quand même elle qui chante. Tu as dit, vous avez mis des années à balayer tant de rumeurs. Ouais. Quand on fait le bilan sur le plan discographique, c'est presque être dans le livre des records. C'est un bilan exceptionnel. C'est une carrière à l'étranger. C'est une réussite totale. Mais quand on retourne la face B de cette vie-là, finalement, c'est la solitude, des pleurs, l'exil, l'Amérique. Bah, je ne sais pas pourquoi ça s'est passé comme ça. J'ai essayé de comprendre, parce que je me dis, après tout, pourquoi moi? Pourquoi on a dit tout ça? Pourquoi? Alors, j'ai jamais trouvé la solution. Bon, c'est vrai que la rumeur, ça entretient quand même énormément ce métier, les bruits de couloir, on n'y échappera jamais, il y en a d'autres qui en ont pris aussi. Moi, c'est vrai que ça a été, pendant des années, ça a beaucoup duré. Pourquoi, je ne sais pas, mais ce que je me dis, c'est, avec le recul et les années qui passent, c'est qu'aujourd'hui, où j'ai été capable de prendre tout ça différemment. Le surmonter, surtout. Voilà, de le surmonter, d'oublier l'aigreur, d'oublier la revanche, d'oublier l'agressivité. Je me dis que peut-être que si je n'avais pas vécu ça, au jour d'aujourd'hui, je n'aurais pas un spectacle pareil à l'Olympia. Très probablement, oui. Parce que je crois que ce qui a été fabuleux, et moi, ce que je tire comme conclusion des soirées que je vis ici, c'est que je crois que tout ce qui a été dit, il y a eu un moment, le public qui m'a toujours suivi, parce qu'un artiste ne fait pas une carrière comme ça sans un public fidèle, c'est que ça les a énervés. Il y a eu un moment, ils en ont eu marre. Et je crois qu'au contraire, au jour d'aujourd'hui, cet amour, il s'est retourné et maintenant, ils ont décidé que ça suffisait. Si vous démarriez votre carrière maintenant, si vous aviez 17 ans aujourd'hui, ce serait très différent, évidemment. Obligatoirement, je ferais différemment. Je ne sais pas si j'arriverais...
au même résultat, parce que je crois qu'on a bénéficié d'une époque, d'un engouement, d'une folie. Maintenant, c'est vrai qu'il y avait des directeurs artistiques, il y avait des gens qui pendant 15 ans, croyaient à un artiste et les suivaient, ouais, malgré que les ventes n'existent pas. Aujourd'hui, c'est l'ère du produit. Maintenant, c'est un produit. Donc, ça, tout a changé. J'aurais certainement la même folie, le même enthousiasme, mais je crois qu'après, ce qui fait aussi la carrière et le destin de quelqu'un, c'est d'être là au moment, au bon moment, et être en connexion avec l'envie des gens. Et ça ne dépend pas de nous. Quand on écoute les chansons que vous avez chantées à l'Olympia, il y a l'avant Yves Martin et l'après Yves Martin. Ouais. Hormis le fait que quelques années après, bon, il y a eu une très belle histoire d'amour qui est née de cette collaboration, mais disons que je crois que c'est quelqu'un d'abord, qui a cru en moi, qui a pensé que je pouvais encore progresser, qui m'a regardée et qui a écrit des chansons avec Jean-Pierre, son frère, avec Alex, qui me correspondaient. Donc c'est génial. Alors, quand on voit tout ce qui s'est passé dans votre vie à travers les chansons, il y a des choses surprenantes. Par exemple, j'avais oublié qu'en 68, La petite fille de Français moyen, ça a été mal reçu. Oui. Ça a été interprété comme une chanson politique. Oui, absolument. Alors que c'était enregistré avant les événements de mai 68. C'était un hommage aux gens de la base, quoi. Oui, mais ça a été très mal perçu. Un milieu populaire, quoi. Très mal perçu. Mais attends. Vous êtes bien placé pour savoir que quand on disait c'est une chanteuse populaire, c'était plutôt péjoratif à l'époque. Et je crois que si on n'est pas un chanteur populaire, on ne peut pas faire des carrières aussi longues. Je veux dire, c'est mon cheval de bataille. J'ai été une chanteuse populaire, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, 35 ans après, je peux avoir trois générations dans une salle, et que des gamins chantent les Rois Mages par cœur. Pourquoi vous êtes allé en Amérique? C'était l'époque de Spacer, Be Devotion, c'est le hasard ou... Non, c'était voulu. Parce que pour moi, New York, c'est la ville de la création, c'est la ville de l'énergie. Mais j'y suis surtout allée pour moi. Ouais. C'est-à-dire que moi, là-bas, j'ai pris des cours de comédie, j'ai été dans les cours de danse, j'ai travaillé tous les jours comme une folle, et je me suis rendu compte que malgré déjà 20 ans de carrière, bon, quand même un très très bon niveau, j'avais plein de lacunes, quoi. Moi, ça m'a redonné l'envie. Ce qui vous arrive, là, depuis un an, avec ce retour triomphal sur scène, cette première vraie grande tournée dans des bonnes conditions, vous le recevez comme un bonus? Moi, je le prends comme... C'est en plus, quoi. Ah non. Avec beaucoup plus que ça. Moi, j'ai la sensation d'avoir fait ma vie, et dans ma vie, j'ai accumulé des points. Et là, c'est un voyage. C'est-à-dire que pour moi, c'est comme si j'ai gagné un tour du monde. Voilà. Et je pars faire ce voyage et je découvre des choses extraordinaires. Alors, la chance que j'ai, c'est qu'à travers la France, bon, à l'Olympia bien sûr, mais à travers que ce soit à Plouénan, que ce soit à Marseille, à Toulouse, à Lille, peu importe où, à Bruxelles, c'est que de l'amour. Et moi, j'aurais réussi ma vie à cause de ça, quoi. Vous avez un succès de presse, un succès public? Ça devrait changer beaucoup de choses, non? Non, je crois qu'aujourd'hui, moi je pense que ma carrière, elle est essentiellement derrière moi. Je suis quelqu'un qui regarde toujours devant et qui regarde toujours vers le futur. Mais sincèrement, je n'oserais pas me projeter dans 10 ans, parce que je bénéficie d'une mode. C'est vrai que, voilà, cette fois-ci j'ai fait l'unanimité. Toute presse confondue, on peut pas dire que j'ai pas rempli, que voilà, bon, que je ne sais pas chanter. Je vois pas ce qu'on pourra dire au jour d'aujourd'hui. Mais je ne sais pas ce que je serai dans 10 ans. Oui, c'est-à-dire que ce qui vient de se passer là, c'est de toute façon un rêve réalisé, quoi. Voilà. Qu'attarder à venir. Bon. C'est mon plus beau rêve, et je pense qu'avec ça, j'ai déjà réussi une bonne partie de ma vie.